Déjà auréolé à la Biennale de Venise, Olé tout la fallait, en français l'orateur du réalisateur samoan Tusi Tamasese, poursuit son incroyable ascension. Coproduction samoano-néo-zélandaise, le film fait également figure de candidat officiel pour la Nouvelle-Zélande pour les prochains Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. Mon idée était de raconter une histoire que n'importe qui puisse relayer, que le public puisse porter, mais une histoire de chez moi, des îles Samoa. L'orateur, c'est l'histoire de Saïli et de son existence, somme toute modeste, dans un village traditionnel samoan, aux côtés de son épouse Vaiga et de leur fille. Une existence heureuse et paisible, et pourtant loin d'être conventionnelle. Vaiga a été banni de son village ancestral il y a bien longtemps. Quant à Saïli, il est menacé d'expropriation sur sa plantation. C'est l'histoire d'un personnage qui doit faire face à une série d'épreuves inattendues, en plus de celles qui l'accablent déjà. Il y a beaucoup de choses à la fois. Ce film est aussi l'histoire du pardon et avant tout une histoire d'amour. Soutenu financièrement par la commission du film néo-zélandais et le gouvernement de Samoa, l'orateur a été entièrement tourné à Upolo, l'île la plus peuplée des Samoa. À découvrir sur grand écran en Nouvelle-Zélande avant une sortie mondiale dans les prochains mois.